accueille des compagnies de tous horizons, internationales, français, régionaux, départementaux. Et l'idée, c'est de mettre en valeur un peu la vivacité des artistes des arts de la rue aujourd'hui et de leur offrir nos rues pendant 3 jours. Le festival a vocation à être pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un million de spectacles de disciplines diverses. Mais cette année, on a fait un focus sur les créations arts de la rue qui sont dédiées au jeune public, donc aux enfants, avec 3 créations sur cette édition. C'est un enjeu pour la ville de Royan parce qu'on est une station balnéaire, donc la qualité de nos plages, la qualité des eaux de baignade, c'est quelque chose de fondamental. Et on a voulu être un peu précurseur et lutter contre les méfaits du mégot par une plage sans tabac, par des plaques de sensibilisation, par le fait de récolter et surtout de recycler l'ensemble des mégots de cigarettes déposés dans nos cendriers. À titre d'exemple, on a recyclé l'an dernier plus de 120 000 mégots de cigarettes.